trop froid pour se changer dehors. Le déménagement est encore un peu frais dans ma tête. J'ai toujours l'impression d'être chez Abuela. Je suis content que Ganki reste 2 semaines. On va passer des nuits blanches à fabriquer du speeder équipement. Tiens, la remise des diplômes du collège. Ça fait longtemps qu'on s'est pas revus. Alors, sur quoi Ganki travaille? Oh, Speed Nonagon! Il faut qu'il le finisse pour que je puisse y jouer. Trop hâte! Il faut encore que j'emballe les dernières affaires d'Abuela pour lui envoyer à Puerto Rico. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, un peu de sauce. Je vous nettoie ça en 2 secondes. Et voilà. T'inquiète, mec. Ay, bendito. Mijo, qué guapo. Gracias, mami. On a de la visite ce soir. Tu pourrais arranger l'appartement? Oh, et mettre une petite musique d'ambiance? Ah, Nadia. Quoi? Ta directrice de campagne le soir du réveillon? Le rassemblement ne va pas s'organiser tout seul. Merci de tout mettre en place, Mijo. Allô? Nadia, on a obtenu l'autorisation pour demain? 15 ans à Brooklyn sans une seule tâche. On déménage à Harlem. Ça doit être un signe. Je croyais qu'on avait déjà signé ces formulaires. Non. Je suis content que le sapin de papa ait tenu le coup. Moi aussi. Il y tenait énormément. Un vrai Noël, c'est un Noël à Brooklyn. Ça me manque de l'entendre dire ça. Oui, bien sûr. Tu seras fier de moi, papa. Pas de vinyle. Hé, hey, maman! Ils sont où, les disques de papa? Ils doivent être dans ma chambre. Merci! Je croyais qu'on avait déjà signé ces formulaires. Non. Ah, ça n'en finit jamais. Je suis pas mal coiffé, là. Ça marche encore. On attend combien de monde demain? La campagne de maman pour le conseil municipal s'est goupillée assez vite. Les habitants de Harlem l'adorent. Maman non plus a pas fini de déballer ses affaires. Cette tapisserie, c'est trop Abuela. Maman a dû en commander près d'une centaine, parce que l'article parlait de papa. Qui est Spider-Man? Si tu savais, maman. C'est quoi ça? Ah, ça a dû atterrir dans le mauvais carton. Un vieux dossier de police de papa. C'est qui le rôdeur? Je me demande si papa l'a attrapé. Je m'étais pas replongé dans tout ça depuis l'hôtel de ville. L'album préféré de papa. Il le mettait tous les dimanches en faisant le café. Oh, la salsa d'Abuela. Ça, ça faisait bouger papa et maman. Celui-là devait être à Oncle Aaron. Papa l'écoutait jamais, mais il s'en est jamais débarrassé.
détergent borax, percarbonate, carbonate de sodium. Dis, vous avez pas de la Javel chez vous? T'es sûr que c'est une bonne idée, la Javel? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Non, comme ça. Alors, on écoute quoi, DJ? Meilleur disque de tous les temps? C'est oncle Aaron, l'invité mystère? Un secondo. Tu sais que je ne veux pas de lui à la maison. Je me disais juste... Non, rien. On parlera de ça plus tard, d'accord? Nadia, je suis là. C'est parfait. Posez là. T'aimais pas le jazz quand j'étais petit? Ton père m'a appris à l'apprécier. Ça fait des années que cette sonnette ne marche plus. Max, tu peux y aller? Bien sûr. Tes parents vont bien, Granny? Ça fait longtemps que je n'aurais pas parlé. Ils vont très bien. Ils ont fait une tortue de mer de la taille d'un labrador au large de Monokini hier. Wow, c'est génial! Je suis contente que tu sois restée à New York. Ça fait plaisir de t'avoir à la maison. Je suis content d'être là, Madame Morales. Alors, ça fait un mois maintenant. Vous vous plaisez à Harlem? C'est un retour aux sources pour moi. J'ai grandi dans cet appartement. Miles commence à s'y faire, je crois. Vous vivez toujours à Sugar Hill, tes parents et toi? Oui, je suis content que vous ayez déménagé. Je peux être ici en 20 minutes. Avant, je mettais une heure pour aller à Brooklyn. Contente de savoir qu'on a réduit ton temps de transport. Finn? Salut. J'ai réparé ta sonnette. Ça me fait trop plaisir de te voir. On s'est pas vu depuis... Des mois. Il y a eu du changement. Ouais, ça c'est sûr. C'est notre invité d'honneur? Rentrez tous les deux. Le dîner est presque prêt. Finn, je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Merci de m'inviter, Madame Morales. Tu nous as manqué. À lui en particulier. Ah, salut. Finn, voici Ganki. Mon pote du lycée Brooklyn Visions. Ganki, voilà Finn. Ma meilleure amie. Enfin, avec toi. Ah ouais, vous avez gagné le concours de sciences au collège, c'est ça? Vous aviez fait un... Convertisseur d'énergie? Chips. Oh. L'électricité dans ce bâtiment est une catastrophe. Je vérifie le disjoncteur. Gracias. Alors, Noël aux chandelles? J'ai pas fait ça en réparant la sonnette. J'avais pas pensé. Tu serais super forte si t'avais réussi à faire sauter l'électricité dans tout l'immeuble. Ça marche pas. Le coupe-circuit est pas alimenté. C'est coupé dans toute la rue, on dirait. Je vais aller jeter un œil sur l'escalier de secours au cas où. D'accord, chérie. Mais fais attention. On peut sûrement pas atteindre le transformateur en passant par là. À moins d'être super collant. D'autres immeubles qui sont dans le noir? Il y a des gens sur le toit. Je peux pas monter. Ouais, dans tout le quartier. J'espère que personne ne peut me voir là-haut. J'ai hâte que le réacteur de Roxon marche. On n'aura plus ce genre de problème. Je sais pas. Mais elle savait de Roxon et qu'il me rêve. Regarde pas par la fenêtre. Regarde pas par la fenêtre. Vous croyez que Miles s'en sort dehors? J'espère. Les plages à elles seules ne suffiront sûrement pas. La bioélectricité peut assommer Rino. Mais est-ce qu'elle peut sauver le repas de Noël? Allez, ça a marché. Oh, il y a un peu trop de lumière. J'y avais pas réfléchi. Je dois rentrer en vitesse. Continue de les occuper, Ganki. Y a rien à voir, rien du tout. Allez, Ganki. Miles est toujours dehors? Et si on prenait une photo? Maintenant? Ouais, parce que les bons moments, faut les immortaliser.
On n'attend pas Miles? Non, il a horreur des photos. Allez, rapprochez-vous de moi. Prête? Super, c'est magnifique. Ah, oh, tiens, Miles. On passe à table? Vous pouvez aller vous asseoir. Je m'en occupe. Ça sent bon. Tum, 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 tum. Finn, raconte-nous un peu ce que tu deviens. Toujours dans ton club de robotique? Je l'ai quitté, mais j'étudie la biotechnologie de mon côté. Crâneuse. Oh, tu peux parler? Tu portes une cravate pour aller à l'école. Hé, hey, seulement les mardis. Ton frère Rick travaille toujours chez Roxxon? J'arrive pas à croire que des gens travaillent encore pour eux après votre campagne. Vous avez vraiment démoli Simon Krieger. Ça me fait penser. Ganki, les réseaux sociaux, c'est ta spécialité, non? Tu peux faire circuler l'info pour le meeting de demain? Ouais, à minuit, on parlera que de nous. Parfois, on dirait que c'est Simon Krieger, mon véritable adversaire. Roxxon a une influence énorme ici, mais ils ne rendent compte à personne d'autre qu'à leurs actionnaires. Il nous faut quelqu'un qui se batte pour la communauté. Ça, c'est maman en mode politicienne, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Est-ce que vous voulez relire ça avant que je le publie? Oui! Ne touche à rien! Est-ce que t'as des soucis? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, t'as l'air... je sais pas... préoccupé. Est-ce que tu veux m'en parler? Pas ce soir. C'est Noël. T'es pas trop triste d'avoir quitté Brooklyn? Franchement, ça va. Ah, t'as le cafard? Non. Traduction, je suis triste, mais je suis trop gentille pour le dire. Non, c'est juste que je connais personne ici. Et en plus, je suis toujours obligé de demander mon chemin. Faut trouver un bon restaurant. Un bon coiffeur et un terrain de basket. Tu t'adapteras. Sinon, ça te dirait qu'on se voit demain? Nous deux, tranquille. T'es sûr que t'as le temps? Oh, c'est les vacances. Je peux passer au moins une semaine sans faire des devoirs. Ok, je t'appellerai. J'ai trop hâte. J'ai hâte qu'on se voit entre amis. Je vois que t'es toujours aussi douée avec les filles.